Bonjour. Alors, comme son nom l'indique, aujourd'hui, on va parler un peu de la prophétie du Padre Pio sur les trois jours de ténèbres. Alors, c'est une prophétie, vous l'avez lue, qui est assez effrayante, hein, quand on la décrypte un peu. Alors, il y a eu aussi d'autres prophéties dans le même style qui ont été faites, mais bien après le Padre Pio. Et personnellement, j'ai préféré me consacrer à celle-là, qui date de 1950, je crois, en sachant que le Padre Pio ne s'est quasiment jamais trompé. Tout ce qu'il a pu voir, tout ce qu'il a pu dire, ça s'est réalisé. Donc je garde le Padre Pio comme étant une source fiable au niveau de ses prophéties. Maintenant, reste à savoir comment l'interpréter, cette prophétie. Pour ma part, alors évidemment, c'est toujours que ma propre interprétation, hein. Et je ne prétends pas détenir la vérité. Voilà, comme ça, moi, les choses sont déjà bien placées. Pour ma part, ces visions qu'il a eues, j'ai pu en voir à peu près des similaires. En sortir du corps, dans les annales akashiques des probabilités, on va dire. Alors, ce sont des prophéties qu'on retrouve assez souvent, qui ont été aussi vues par d'autres personnes, comme je vous l'ai dit, des personnes fiables aussi, attention. Hein. Comment on pourrait l'interpréter, ça? Alors, est-ce que c'est une trame temporelle avec, comment dire, ces possibilités, ces probabilités, est-ce que ça peut changer? Est-ce que ça ne peut pas changer? Est-ce que c'est vraiment écrit? Est-ce que ça va se réaliser? Moi, je pense qu'il y a une partie de vérité là-dedans, parce que, enfin de vérité, une partie en tout cas va sûrement se réaliser à un moment donné. Ça, pour ma part, ça correspond véritablement à la mutation de la planète, c'est-à-dire quand il va y avoir véritablement le basculement sur la cinquième dimension. C'est-à-dire que il est fort probable, tel qu'on me l'a montré, tel que j'ai pu le voir et tel que ça se voit encore, qu'avant, on va dire, l'avènement d'une aube nouvelle, d'un jour nouveau, d'un monde tout à fait magnifique, on va dire, hein, on soit obligé de passer par cette transmutation de la planète, cette restructuration de la planète. Et ce que décrit Padre Pio, pour moi, ça correspond à ça. Ça correspond à ce passage, alors trois jours, c'est un chiffre aussi symbolique, où la planète va véritablement devenir, pour les humains en tout cas, infernale. C'est-à-dire que vraiment, il y a la mutation, la transformation, tout bascule. Tremblement de terre, tempête, tout un tas de volcans, tout ce qu'on peut imaginer, raz-de-marée, tout ce que vous voulez, quoi. Mais c'est normal, quand une planète se restructure, passe sur un autre plan, il y a des changements comme ça. Comme toutes les autres planètes du système solaire, elles ont vécu quasiment le même phénomène. Alors, ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que lui donne des conseils comment passer à travers ça. Il parle de trois jours de ténèbres, vraiment une nuit où il ne faudra pas regarder dehors, où il faudra prier, tout ce qu'on veut. Moi, ce que je sais, en tout cas ce qui m'a été communiqué par les aides des étoiles, c'est que, et pas qu'à moi évidemment, hein, à beaucoup d'autres, c'est que pendant cette phase de transition, pendant cette phase de profond changement, de bouleversement, l'humanité va être, comment dire, être mise en stand-by, c'est-à-dire qu'elle va passer sur un autre plan. Alors, à bord de vaisseau, peut-être, c'est tout à fait possible, ou alors momentanément sur une autre planète,
Peut-être pendant 3 jours. Peut-être que ça va durer effectivement 3 jours. Mais pendant cette phase-là, l'humanité ne pourra être mise qu'en sous une forme de sommeil, dans une forme de léthargie, on va dire de... d'endormissement, hein, on va dire un peu en état de, pas d'hypnose, mais de comment on appelle, d'hibernation, on va dire, quelque part, une forme de, voilà, de sommeil, pour qu'elle ne soit pas traumatisée par rapport à ce qu'elle va vivre. Parce que, comme il dit le Padre Pio, si vous vivez ça, vous restez sur Terre et vous voyez ce qui se passe, ou même si vous êtes conscient de ce qui se passe, bah, ça risque de faire de vous des personnes complètement déstabilisées sur un plan psychologique, mental, émotionnel. C'est des traumatismes au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Alors imaginez déjà, pour certaines personnes qui vivent dans des guerres et qui vivent des traumatismes de guerre, des fois pour eux ils ne s'en remettent pas. Même des soldats ou même des civils. Alors là, ça va dépasser bien tout ce qu'on peut imaginer. Donc si on vivait ça en pleine conscience, ben je pense que l'humain ne tiendrait pas le coup. Et de la même façon, si l'humanité est emmenée à bord de vaisseau et qu'elle n'y est pas préparée, c'est pareil. C'est une autre forme de traumatisme parce que s'il n'y a pas de préparation et que vous vous retrouvez du jour au lendemain ou faire en un instant entouré d'êtres à bord de vaisseau, pour les trois quarts de l'humanité, c'est, excusez-moi du terme, c'est pétage de plomb. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas capables de supporter ça. Donc ils sont mis en espèce de léthargie, une espèce de forme d'hypnose profonde, parfaitement détendue, dans laquelle ils vivront ça, l'humanité vivra ça, peut-être sous la forme d'un rêve éveillé ou d'un semi-rêve semi-conscient, le temps que tout ça se passe et qu'on puisse les ramener sur Terre. Dans ce cas-là, il n'y a pas de traumatisme. Enfin, normalement, il n'y en a pas. Il y aura quand même une grande mutation, une grande transformation parce que l'humanité aura fait son travail, on va dire, de préparation à la cinquième dimension, hein, on va dire, parce qu'il y aura eu des choix de fait. Donc ces personnes-là reviendront sur une planète transmutée qui sera passée sur un autre plan, complètement nouveau, aidé par les aides des étoiles ce coup-ci. Et je pense que là, ça sera passé plus ou moins en douceur et la conscience humaine sera apte à faire ce passage sans être totalement déstabilisé, sans être totalement perdu et complètement à l'ouest. Hein. Évidemment, pour les autres personnes qui n'auront pas à... et qui auront fait un autre choix, là, c'est autre chose. Là, ils ne vivront pas les choses de la même façon. Ça sera un peu tard pour eux. Donc, probablement qu'il y aura des transmigrations sur d'autres plans, sur une autre planète de rechange, parce que ça ne sera pas la même. Il faut comprendre une chose, c'est qu'après... après ces descriptions-là de volcans, de tout ce qu'on veut, de catastrophes, la Terre en 3D sera totalement invivable. Quand le Padre Pio ou d'autres parlent d'une aube nouvelle, c'est sur un autre plan. Ils parlent même des anges qui descendront sur Terre. Alors évidemment, les anges, on peut les associer aux Elohim, c'est-à-dire aux êtres des étoiles. Mais ça sera sur un plan 5D, sur un plan de voilà où la planète sera passée sur un plan éthérique, physico-éthérique. Mais pas sur le plan de la 3D. Sur le plan de la 3D, ça sera chaotique. Ça peut être, si vous pouvez comparer ça à la planète Vénus actuelle, qui est en 3D, voilà, 400 et quelques, 450 degrés, des nuages d'acide sulfurique, enfin, c'est horrible, enfin, c'est invivable. Et ça, c'est parce que c'est la vision que nous, on a, depuis la planète Terre, depuis notre dimension, notre troisième dimension. Par contre, vous allez sur un autre plan, ça n'a rien à voir. Comme toutes les planètes du système solaire, ça n'a rien à voir. Donc la planète Terre, elle restera toujours sous cette forme, elle va vraiment être... la transmutation va apporter ça. Elle va rester sur un astre...
ben, qui sera absolument apocalyptique, hein, pour eux. Mais il n'y aura plus personne. Il y aura une partie de l'humanité qui sera passée en cinquième dimension, et l'autre partie de l'humanité, ben, qui va se réincarner sur d'autres mondes en 3D, mais pas sur la planète Terre. De la même façon que vous allez sur Mars ou Vénus, vous verrez, il n'y a pas de vie, on le sait, ça on le voit en 3D, il n'y a pas de vie 3D sur ces planètes-là. Ou alors peut-être sur Mars, des vies microscopiques, même si c'est habité par des humains, mais ça c'est autre chose, on ne va pas se disperser. Mais sur notre plan, oui, la vie elle est là, évidemment. Sur Jupiter, Mars, Saturne, Neptune, tout ce que vous voulez. Je vous parle uniquement pour l'instant des planètes du système solaire, parce que c'est à côté de chez nous. Voilà, donc ça c'est à comprendre. Donc je pense que par rapport à cette prophétie, et à ces prophéties, parce qu'il y en a eu d'autres, et qui se rejoignent, parce que c'est la même chose, plus ou moins, on enlève un peu le côté religieux, parce qu'évidemment le Padre Pio, bah, c'était un père, hein, et disons que lui, il a fait appel aussi à la religion pour, comment dire, pour avoir un peu ça, comment dire, cette miséricordieuse, cette protection divine. Nous on essaie d'aller au-delà de ça et de voir ça sur un plan peut-être plus spirituel que religieux. Ces visions-là, alors il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas vraiment en avoir peur. Il faut s'y préparer. Faire confiance, alors moi je pars toujours de ce principe-là, de ce postulat, ayez confiance, vous ayez la foi en vous-même, dans le fait que vous serez à la bonne place au bon moment, que ce qui doit vous arriver, ben, vous arrivera. Donc si vous avez fait tout le travail qu'il faut, ben, ça va se passer. Alors c'est sûr, ça va tout bouleverser, parce que ce coup-ci vous allez passer d'intention à du concret, et ça je le dis depuis longtemps dans mes vidéos, c'est qu'on passe réellement dans du conscient et dans du concret. De passer de la concrétisation d'un imaginaire à une concrétisation, c'est vraiment l'initiation. Ce qui fait qu'on va véritablement vivre l'initiation. Et tout ça, c'est l'initiation, j'en ai déjà parlé dans une vidéo il y a longtemps, ce que j'appelle l'initiation majeure, c'est ce que l'on vit là. Là, c'est l'initiation des initiations. Donc, si vous êtes capable, et je sais que pour beaucoup d'entre vous, ne doutez pas de vous, vous en êtes capable, vous faites le travail comme vous le pouvez, mais déjà, si vous avez cette intention, ce désir, ben, de passer sur un autre plan, ben, ça marchera. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'aide des aides des étoiles, parce qu'ils sont là, alors là, je peux vous garantir qu'ils sont là et ça travaille. Ça travaille vraiment énormément pour que tout se passe bien, donc ça se passera. Et et même si ces événements arrivent, on ne sait pas trop quand, ça arrivera probablement un jour, c'est inévitable. Parce qu'on, voilà, faut pas rêver, c'est un accouchement. Alors peut-être que ça sera un peu atténué, en espérant un peu, mais bon, à la limite, qu'est-ce que ça nous importe, que ça soit atténué ou pas atténué. L'essentiel pour nous, pour l'humanité, c'est de passer sur un autre plan. Physiquement et vivant, je dis bien, on ne passe pas forcément par le processus de la désincarnation, c'est-à-dire de la mort. Hein. Le passage en 5D, je vous l'ai dit, c'est de notre, ça peut être de notre vivant. Hein. Donc, et c'est évidemment, ça a quand même un côté assez bouleversant, profondément. Hein, ça va nous remuer en profondeur. Mais on n'a pas à avoir peur. Moi, je les ai vus, ces visions, j'en ai eu plein, hein. J'en ai déjà parlé. C'est un peu moins en ce moment, mais quand même, j'ai vu quand même, là, dernièrement, j'ai eu des... Dans l'astral, j'ai pu voir quand même... j'ai pu voir l'action des êtres des étoiles sur Terre, en ce moment, sur d'autres plans, sur d'autres niveaux. On sait qu'ils ont agi sur notre ADN. Hein, qui modifie positivement notre ADN, mais là j'ai vu vraiment des encodages à bord de, par rapport à des vaisseaux qui envoient, ils envoient vraiment des, comment dire, des encodages pour toute l'humanité. C'est à partir de vaisseaux géants, enfin c'est fabuleux. Je peux vous décrire ça, mais tout ça, ce sont des énergies qui nous envoient toutes les nuits, et croyez-moi, c'est puissant. C'est puissant quand on les voit, c'est puissant au niveau symbolique, c'est puissant au niveau énergétique.
quand vous voyez le ciel se remplir de vaisseaux et vous envoyez, comment dire, des zones de forme par rapport à leur vaisseau qui vont vraiment. Qui sont là pour aider à votre ouverture de conscience sur d'autres plans, c'est énorme. Enfin, il faut le voir. C'est un peu difficile à expliquer parce que ce sont des choses que je vis sur un autre plan, un plan astral. Et pour les retranscrire sur Terre, des fois, c'est un peu compliqué. Voilà, parce qu'il faut les vivre et c'est un peu difficile. Mais moi, ce que je peux vous dire à ce niveau-là, c'est qu'ils sont vraiment là et qu'on n'a pas à avoir peur. Alors, cette prophétie, elle existe. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posaient la question, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on fabule? Est-ce que c'est des, comment dire, de l'imaginaire? Est-ce que c'est des fakes? Ben non, c'est pas des fakes. Il n'y a pas de fake à ce niveau-là. C'est une probabilité assez forte qui se passera peut-être un peu plus atténuée. Ou alors exactement comme ça, avec d'autres aléas. Moi, ce que j'ai vu, je vous l'ai dit, hein, j'avais vu, moi, c'était au niveau des tempêtes, c'était au niveau d'explosions aussi. On peut même dire que j'avais même rajouté des combats entre différentes factions, extraterrestres, hein, qui se combattaient pour prendre la possession de la planète Terre. Donc nous, on était un peu au milieu de tout ça. Et c'était un peu chaud. Et ça, c'est une réalité, la guerre des étoiles sur notre plan, ayant comme enjeu la planète Terre, ben, c'est une réalité aussi. Même si ça peut vous paraître fou et complètement conspirationniste ou utopique ou science-fiction, en tout cas, ça existe bel et bien. Donc ça, je l'ai vu, hein, j'ai vu ça aussi, et ça, c'est pas la première fois. Donc nous, on n'est rien comparé à ça. L'humanité, c'est une petite fourmi au milieu d'une guerre terrible. Hein. Une guerre terrible. Mais voilà, ça fait partie de l'humanité, ça fait partie du chemin de vie de la planète. Ça a été accepté par des instances nettement supérieures pour nous aider aussi à grandir. Parce que tout ça, on n'est pas des simples victimes, comprenez bien tout ce qui se passe. C'est que tout ce que nous vivons, tout ce que nous allons vivre, c'est notre propre choix. C'est pour ça que vous faites le choix de passer en 5D, vous passerez en 5D. Et tous ces événements qui ont été prophétisés, bah, vous les vivrez sur un autre plan, en toute sécurité. Si par contre vous êtes dans la peur, et vous suivez les forces de l'ombre telles qu'ils appliquent leur plan, alors là, oui, ça va être dur. Oui, ça va être très dur. Mais bon, chacun aura fait ses choix. C'est qu'une question de choix. Et on est responsable de tout ce qui nous arrive. Nous ne sommes pas uniquement des victimes. On est des victimes consentantes dans ces cas-là. On joue un rôle. Ça, il faut que ça rentre dans la tête de certains qui s'imaginent encore qu'on est victime et qu'on subit et qu'on ne peut rien faire et que les méchants, c'est les autres. Et que nous, on est... Non, c'est pas tout à fait comme ça. On a donné notre pouvoir, on a délégué depuis des siècles et des siècles notre pouvoir à des forces qui nous dominent. On n'est quand même pas des moutons, ou alors on veut bien l'être. Mais il faut un jour ou l'autre prendre conscience de nos responsabilités dans tout ce qui nous arrive à l'échelon individuel et à l'échelon planétaire, humain. Donc voilà, par rapport à ces prophéties, faites vos choix. Comment vous voulez vivre ça? Comment vous voulez vivre ce passage en 5D, cette mutation, cette transformation de la planète? Voilà, c'est grand changement, c'est à vous. C'est à vous de voir. Est-ce que vous faites confiance en vous-même, en votre propre force, retrouver votre propre pouvoir, votre propre autonomie, et faire des choix judicieux, tant que vous êtes encore capable de faire des choix? Parce que comprenez bien que pour certains, ça sera plus possible. Hein, ceux qui ont pris la soupe chimique, eux, c'est fini. Ils ne pourront plus faire des choix. Ils ne seront plus à l'écoute de leur âme. On en parlera plus profondément avec Ara, mais ça concerne uniquement le réseau. Voilà, donc ce que j'avais à vous dire pour cette prophétie, donc n'ayez pas peur, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, ayez confiance aux ailes des étoiles, et tout se passera bien. Mais vous êtes prévenus.
Voilà. Allez, passez une bonne journée, passez des bonnes vacances, tant que vous pouvez encore passer des vacances. Allez, à très bientôt, prenez soin de vous.